L'indicateur que vous avez indiqué sur lequel nous sommes en baisse, notamment les performances économiques, je vous ai indiqué tout à l'heure que ce n'est pas lié de façon intrinsèque à la situation de la Côte d'Ivoire, c'est un phénomène mondial qui entraînait donc une régression des performances économiques. Donc on a un taux de croissance de 6,7% en 2022. Je rappelle que ce taux de croissance est parmi les meilleurs taux au niveau mondial. 6,7% de croissance, c'est des taux extrêmement élevés dans le contexte mondial que nous connaissons.